Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'inaugure une toute nouvelle émission. Ça va s'appeler Le retour du cinéma chinois en Chine. Ça fait un moment que je veux faire cette émission. Si vous voulez, je vais pas arrêter mon compte connexion. Je vais continuer à le faire, bien entendu. Hein, je vais toujours continuer à le faire. D'ailleurs, cette émission, donc spécialement dédiée au cinéma chinois récent, sera, je pense, beaucoup plus ponctuelle et il y aura moins d'épisodes qu'en compte connexion, puisque, et je vais en parler un petit peu plus tard aussi, le cinéma chinois n'en est que le nouveau cinéma chinois, le cinéma chinois, enfin de ces 10-20 dernières années, n'est pas encore fourni de chefs-d'œuvre et de grands films et de grands réalisateurs, comme c'est le cas à Hong Kong. À Hong Kong, c'est à peu près 50 années de chefs-d'œuvre, de grands réalisateurs, de grands cinéastes, de grands chorégraphes, de grands talents du cinéma. Et c'est un cinéma qui a maturé, qui a toute une historique, qui a toute une histoire très très profonde, qui est héritière du cinéma de... Putain. Voilà, donc je me suis gaufré pour une première, c'est génial, c'est pas grave. En tout cas, voilà, le cinéma de Hong Kong, donc, qui est héritier donc du cinéma de Shanghai, et on voit que le processus d'aujourd'hui, c'est que le cinéma de Hong Kong retourne en Chine, et que le cinéma qui se produit principalement à Pékin, mais dans toute la Chine continentale, en fait, est héritière du cinéma de Hong Kong, et que tous les grands films, tous les films les plus importants, tout le savoir-faire, en fait, est parti donc de Shanghai, et ensuite allé à Hong Kong, et là aujourd'hui revient en Chine continentale. Et on le constate avec tous les grands réalisateurs qui vont tourner là-bas, Tsui Hark, Stephen Chow, Yuen Woo-ping, même Donnie Yen va tourner là-bas, tous les grands chorégraphes, Sammo va chorégraphier des films là-bas, etc. Andrew Lau va produire des films là-bas, etc., etc. Je vais en parler dans les vidéos suivantes. Et je vais essayer de... En fait, le but de l'émission, c'est d'expliquer en fait le processus de transformation qu'il y a eu entre voilà qu'il y a eu entre le cinéma de Hong Kong jusqu'à cette phase de transition des années 2000 où le cinéma de Hong Kong existait encore et produisait encore des bons films et gardait un peu son identité à échelle mondiale. Mais on constate depuis le début des années 2010 que le cinéma chinois a vraiment vraiment pris le dessus. Et notamment, c'est principalement de cette période-là dont je vais parler et des films qui vont sortir bien évidemment aujourd'hui et plus tard dans les années 20, etc. Donc effectivement, on voit que le cinéma chinois est encore à ses prémices parce qu'il n'a pas encore le savoir-faire, effectivement, du cinéma hongkongais. Le tout premier film dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est justement un film chinois réalisé par un réalisateur hongkongais que vous connaissez bien, qui s'appelle Stephen Chow, qui est aussi une grande star de la comédie à Hong Kong, et qui est devenu donc cinéaste. Il y a déjà quelques années, déjà plus de 20 ans, qui a réalisé Shaolin Soccer, Crazy Kung Fu, etc. Et donc qui va réaliser, moi, ce que je considère comme le premier film chinois avec le savoir-faire hongkongais que je trouve le plus intéressant. Et en plus, je vais en parler aussi de manière un peu personnelle avec une petite anecdote, c'est le premier que j'ai vu quand j'étais en Chine. Il est sorti en 2013. Et pour la petite anecdote, je suis allé le voir donc en hiver 2013. Je faisais mon école de Kung Fu là-bas et puis voilà, on était dans la ville avec un camarade de classe et on a décidé d'aller au cinéma. Et en fait, on comprenait pas du tout le chinois. Faut savoir que j'étais à Chufu et Chufu, c'est vraiment vraiment une ville où personne ne parle anglais. Enfin, à cette époque-là, pratiquement pas. Et on pioche et on va voir un film comme ça au hasard. On demande à la guichetière, on lui dit bah voilà, on veut ça et on lui montre le film. On regarde le film, on rentre dans la salle, on regarde le film, donc mon premier film de cinéma en Chine, premier grand écran là-bas, etc. Donc j'étais super content, mais je savais pas du tout ce que j'allais voir. Je savais pas du tout ce que j'allais voir, j'avais un petit peu vu l'affiche. Sur l'affiche, j'avais effectivement aperçu qu'il y avait Shu Qi, qu'on appelle en français, que beaucoup de gens connaissent sous le nom de Shu Qi sans prononcer l'accent en mandarin. Et je constatais aussi que dans le film, il y avait plusieurs acteurs qui avait déjà utilisé Stephen Chow dans ses films précédents. Et bon, c'est l'histoire, comment expliquer, une nouvelle adaptation du Roi Singe. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça explique l'avant, en fait, parcours du moine et de la manière dont il va rencontrer tous ses disciples, donc le Roi Singe, le démon poisson, le démon porc, etc.
Et donc c'est l'après-quel, en fait, entre guillemets, de l'histoire qu'on connaît du Roi Singe, le roman qu'on connaît chez nous, qui est sorti même chez nous en France, dans la littérature traduite en français. Cette histoire du Roi Singe, c'est une histoire très très connue, qui a été inspirée donc pour Dragon Ball notamment, et qui a été adaptée moult fois, mais pas vraiment à l'époque des grands studios de la Shaw Brothers ou des films des années 70 à Hong Kong. Ça a été adapté très très peu. On connaît bien évidemment la version donc justement de Stephen Chow des années 90, qui est absolument excellente, qui est vraiment un chef-d'œuvre en deux parties, que je vous conseille également. Et là, donc là, c'est Stephen Chow qui retourne en Chine, qui retourne cette histoire. Et donc je regarde donc le film, je reviens un peu en arrière, je mélange un petit peu tout, mais vous allez voir. Donc je regarde le film sans vraiment savoir justement que c'est Stephen Chow qui l'a réalisé, et à la fin du film, je vois réalisé par Stephen Chow, et je me disais, d'accord, donc je sais où j'ai mis les pieds, c'est un drôle de hasard, parce que je m'attendais pas du tout à voir un film réalisé par Stephen Chow, mais je voyais évidemment qu'il y avait des... Il y avait des, on, je captais un peu le style, mais effectivement, c'était tourné en Chine, en chinois, dans des décors naturels complètement différents de ce qu'on a pu voir avant. Et là, je ressentais, moi, au fond de moi, en tant que fan du cinéma de Hong Kong, fan du cinéma de Hong Kong que j'étais quand j'étais gamin, quand on voyait le Roi Singe des années 90, les Swordsman, les films de Wu Xiaopian, les films d'Heroic Fantasy, en fait, on était vachement limité par le budget, le décor, l'espace. Et en général, c'était souvent de la bricole pour nous faire croire que les films étaient tournés avec plein plein de moyens, alors qu'en fait c'était vraiment de la bricole ou du grand talent. Quand on voyait des films comme Histoire d'un homme chinois de Tsui Hark, quand on voyait des films comme des grands films de fantastique, des zoos, etc., on était un peu frustrés, mais en même temps on était fascinés par le côté artisanal de tous ces créateurs. Mais on était frustrés par une chose, c'est que il manquait de décors, d'acteurs, de grandeur. Et en fait, la chose qui m'a vraiment marqué avec le film, avec Journey to the West, donc le film dont je vous parle aujourd'hui, c'est qu'en fait, j'ai enfin pu voir le talent hongkongais, la source du talent du cinéma hongkongais et du cinéma chinois, en fait, enfin, à la mesure et à la hauteur de ce qu'il est. C'est-à-dire qu'enfin, ils avaient la possibilité de tourner avec des effets spéciaux, beaucoup d'acteurs, des décors naturels, des décors de studio grandioses. Je vais pas m'arrêter spécifiquement sur l'histoire du film. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de c'est l'histoire un peu de ça parle de bouddhisme, ça parle de pardon, ça parle de plein de choses. Mais ce qui m'a vraiment fasciné, c'est vraiment, par exemple, le film a une première scène. Vous allez voir qui est absolument hallucinante, avec un changement de ton qui est vraiment super, qui est vraiment le style de Stephen Chow. Et avec un mélange d'humour et de cruauté, vous allez voir pendant tout le film, beaucoup beaucoup de scènes comiques. Donc le film reste une comédie, mais ça reste aussi un très grand film d'heroic fantasy chinoise, et qui est certes à ses prémices, mais la fin, par exemple, moi la fin m'a absolument terrassé à l'époque, parce que j'étais dans la salle de cinéma. Et vous verrez une scène où Bouddha, à la fin, apparaît et écrase complètement le roi singe. Et si vous voulez, on a vraiment la vue du dessus sur grand écran. C'est absolument incroyable, avec la main comme ça qui rentre, qui rentre, qui rentre, qui nous écrase comme ça. Et moi, j'avais jamais vu ça au cinéma. C'était un choc à l'époque quand j'ai vu ça au cinéma. J'avais jamais vu ça dans un film hongkongais. Et là, je me suis dit, ça y est, les Hongkongais ont enfin la possibilité de faire les films qu'ils imaginent avec de l'argent chinois, tourné en Chine, etc. Donc c'est hyper grandiose, hyper cool. Alors effectivement, le film date de 2013, donc les effets spéciaux ont un peu ramassé, mais c'est assez inégal parfois. C'est assez, bon, c'est un peu, voilà, c'est du cinéma chinois. Les Chinois ont fait beaucoup, beaucoup de progrès au niveau des effets spéciaux, notamment en appelant des boîtes étrangères, mais ça, on va en parler dans les films d'après, comment je vais parler après. En tout cas, pour celui-là, voilà, c'est vraiment les prémices, et c'est vraiment là où je me suis dit, voilà, le cinéma de Hong Kong et les cinéastes hongkongais peuvent enfin respirer, réaliser tout ce qu'ils voulaient faire à l'époque de Hong Kong, où ils ne le pouvaient pas. Et nous, on peut enfin voir, nous, fans de cinéma de Hong Kong, on peut enfin voir du grand spectacle, ce qu'ils avaient imaginé sur grand écran. Et voilà, donc c'est après Tsui Hark va le faire avec les détectives Dee, avec Journey to the West 2. Donc c'est Tsui Hark qui réalisera Journey to the West 2, qui est encore plus hallucinant, hein, au niveau du final, etc. Moi, j'avais l'impression, en voyant Journey to the West, et encore plus Journey to the West 2,
que j'assistais enfin à Dragon Ball sur grand écran. Moi, j'avais l'impression de voir Dragon Ball sur grand écran, c'est vraiment pas des conneries. On va vraiment oublier cette purge de Dragon Ball Evolution, entre parenthèses, produit par Stephen Chow, mais qui est un foirage total, et on va plutôt regarder ces deux films-là. Je pense que le deuxième, je vais le chroniquer peut-être dans une prochaine vidéo, parce qu'il est assez hallucinant celui-là aussi. Et là, vraiment, on a l'impression de voir Dragon Ball. Alors, je vous dis, pas peut-être dans, pas dans celui-là spécifiquement que je chronique aujourd'hui, mais plus dans le 2. Mais effectivement, même dans le premier, il y a des éléments de Dragon Ball, des éléments comiques, des éléments... voilà, moi, j'ai l'impression de voir Dragon Ball à l'écran. Donc, c'était assez hallucinant de voir ça sur un grand écran. Et enfin, comme j'ai dit, bah, le cinéma... Le cinéma hongkongais, les talents, les cinéastes hongkongais de la trempe de Stephen Chow qui ont envie de faire des histoires un petit peu comme ça, des histoires d'heroic fantasy, de choses comme ça, ou plus tard des films patriotiques comme Soyark et la bataille de la montagne du Tigre, que je vais également, je pense, chroniquer. Voilà, ils sont les porteurs de flambeau d'une nouvelle époque, hein, quelque chose qui arrive en Chine, qui est cette transition entre... le cinéma de Hong Kong et le cinéma chinois. Le titre de mon émission s'appelle Le retour du cinéma chinois en Chine, parce que je considère que c'est mon avis personnel. Après, c'est un point de vue, c'est une théorie que j'ai. Je verrai ce que vous en dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense que effectivement le cinéma chinois provient d'abord de Shanghai, des années du début du siècle dernier aux années 50. Après l'arrivée des communistes, il a migré, en fait, le cinéma chinois, comme les Chinois beaucoup de Chinois ont migré à Hong Kong, et c'est là où il a vraiment pu s'exprimer, le cinéma chinois, à Hong Kong, bien que dans les années 80-90, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de films à l'identité cantonaise et hongkongaise qui est très marqué. D'ailleurs, l'identité hongkongaise et cantonaise a vraiment explosé dans les années 80-90, puisqu'en fait, ils savaient que la rétrocession allait être proche, et là, il y a une identité hongkongaise très forte qui s'est forgée. Donc ça, c'est indéniable, et c'est aussi pour ça qu'on aime le cinéma de Hong Kong, hein, on va pas se mentir, à Hong Kong, c'est l'endroit que je préfère le plus au monde, mais force est de constater que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas uniquement ça, le cinéma chinois. Là, aujourd'hui, le cinéma de Hong Kong redevient complètement local, et par contre, le cinéma chinois, insufflé par Shanghai, revient finalement, ensuite par Hong Kong, et revient finalement revient à Pékin et revient en Chine continentale aujourd'hui. Donc c'est assez hallucinant. Je vais faire voilà, c'est une petite série d'émissions très très simple comme d'habitude. Hein, vous me connaissez, je fais pas vraiment de montage. Je sais que ça mériterait, mais j'ai pas un budget extraordinaire. Hein, je suis au même titre que le moine dans Journey to the West. Je n'ai que peu de moyens. Donc je fais un peu avec les moyens du bord et voilà, j'essaie de vous faire partager ça. Je sais que c'est parfois un peu brouillon, un peu voilà, c'est un peu à l'arrache, mais c'est à la cool, c'est vraiment fait avec le cœur et j'espère que j'arriverai à expliquer voilà, la transition entre le cinéma chinois de Hong Kong à la Chine. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à voir le film. Alors je vais aussi parler de ça, c'est que les films ne sortent pas chez nous. D'ailleurs, j'utilise beaucoup de titres, je lis beaucoup les titres anglais parce que malheureusement les films ne sont pas sortis en France, enfin beaucoup ne sont pas sortis en France, mis à part les Soyark. Et par exemple, celui dont je vous parle aujourd'hui, Journey to the West, n'est pas sorti au cinéma, par exemple, ce qui est absolument scandaleux, mais est encore moins sorti en Blu-ray. D'ailleurs, je fais un appel, j'aimerais beaucoup, beaucoup que des gens qui ont vu ces films et qui ont aimé ces films et qui ont les moyens de les sortir, peut-être les sortent un jour. Tous ceux que je vais chroniquer, là, vous allez voir, hein, je pense que beaucoup de fans vont être d'accord avec moi. On peut en trouver certains sur Netflix, il y a de plus en plus de films chinois qui sortent sur les plateformes, en fait, et ça, je pense que c'est très bien. Par contre, ils devraient sortir plus de films, alors si c'est pas effectivement en Blu-ray ou en coffret DVD de luxe, etc., bah, c'est au moins, qu'on puisse au moins les voir sur une plateforme de streaming ou voilà, sur Netflix, etc., ça serait vraiment cool. Beaucoup, beaucoup de films que je vais chroniquer sont dispo sur Netflix ou sur d'autres plateformes, d'ailleurs, je vais en parler. Et l'important, c'est qu'on puisse les voir, et si possible, dans de bonnes qualités. Voilà, en tout cas, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Beaucoup de choses à dire. Oui, donc, tout ça pour vous dire que je vais faire cette petite série d'émissions, et aussi pour vous préciser que dans les mois à venir, je vais diversifier un peu ma chaîne. Je vais continuer Hong Kong Connexion, évidemment. Toujours continuer à faire des émissions, essayer d'inviter des gens, essayer d'inviter plus de gens, etc. Faire partager ça. Surtout le but de la chaîne, faire connaître des gens
oubliées ou moins connues. Voilà, c'est un petit peu le but de la chaîne par rapport au cinéma de Hong Kong. Je ne vais pas faire des émissions sur Tsui Hark ou sur Jackie Chan ou sur Sammo Hung systématiquement, peut-être de temps en temps, mais l'important c'est de parler de gens qui sont pas du tout connus, ou des gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui sont pas connus du tout, etc. Et donc il y aura ça, et il y aura, comme vous avez pu peut-être le constater, d'autres vidéos où là je parle de la vie chinoise, de la culture chinoise et de la Chine en règle générale. Donc petit coup de gueule, parce que c'est souvent des trucs un peu politiques, ou en tout cas d'autres sons de cloche que vous n'entendrez pas forcément dans les médias, parce que j'estime que c'est important pour moi d'en parler, de parler de ce que j'ai vu, de ce que je connais. Même si c'est pas forcément quelque chose de très acté, mais je pense que dans 10 ans, les gens seront d'accord avec moi sur ce que je dis, puisque tout est vrai, hein. Je parle simplement de choses que je connais. Donc il y aura Hong Kong Connexion, les vidéos sur la Chine, et il y aura cette petite émission sur le cinéma chinois où je ferai le lien justement. C'est un peu l'émission qui fait le lien entre le cinéma de Hong Kong et la Chine, qui sont ma passion. Voilà, le cinéma de Hong Kong et la Chine et la culture chinoise, voilà, c'est vraiment ma passion. Et la chaîne sert à ça, la chaîne sert à vous transmettre ça. Voilà, en tout cas, Journey to the West, Stephen Chow, Tsuchi, il y a aussi dans le film un grand talent du cinéma de Kung Fu que vous avez pu voir dans Crazy Kung Fu, Tsuching, l'acteur martial de talent aussi. Et voilà, et en tout cas, super film d'Heroic Fantasy réalisé par Stephen Chow en 2013 que je suis allé voir au cinéma en Chine à l'époque, qui était un des plus grands souvenirs de cinéma pour moi. Voilà, je vous le conseille vivement si vous ne l'avez pas vu ou si vous l'avez déjà vu, parlez-en autour de vous, parce que ce sont des films qui malheureusement ne sont pas bien sont pas distribués, pas du tout chez nous. Peu de personnes en parlent et c'est absolument hallucinant et c'est l'avenir, c'est le futur, c'est ce qui va se dessiner pour les 10, 20, 30 prochaines années en Chine. C'est le cinéma de demain en Chine. Ça va prendre une place importante. Donc voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Vive le cinéma de Hong Kong, vive la Chine et vive la France.